Quand nous avions perdu notre engin de communication, nous n'avions aucun moyen de savoir ce qui est arrivé à Shadow et aux autres. Et qui sait ce qu'ils pensaient de nous. Sans autre option, j'ai ordonné à mon peloton de se rendre au point d'extraction. J'espérais que si Shadow était encore en vie, il aurait également avancé dans cette direction et que nous serions peut-être rencontrés au milieu. Mais j'ai toujours un nœud dans l'estomac parce que nous ne savions rien de nos pilotes. Leur dernier message était plus qu'inquiétant. Je ne pouvais qu'espérer que nous ne marchions pas dans un piège. Mais ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Il faut se presser. On ne doit pas être loin de notre destination. Nous avons repéré quelque chose dans les bois devant nous. Je viens de voir, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Avec un peu de chance, ça ne sera pas des ennemis. Je ne peux pas me permettre de perdre d'autres hommes. Mais on ne peut pas attendre d'évaluer la situation parce que nos amis du village nous poursuivent sûrement. Je jure que je peux entendre leur putain de voix dans le vent. Alors on se replie et on essaye de rester invisible. Espérons qu'on trouve Shadow, on arrive jusqu'à l'hélico et on se tire de cet enfer. Allô? Est-ce que quelqu'un est à l'écoute? Allô? Qui est-ce? C'est une ligne sécurisée. Je m'appelle Xian. Je travaille ici pour Monsieur Juarez. C'est le plus riche propriétaire de la région. Je suis archéologue et je travaille par satellite. Il m'a employé pour trouver d'anciennes ruines dans la jungle. Puis j'ai découvert qu'il a déclenché une guerre civile. C'est lui qui brouille toutes les communications et les fréquences radar. Qu'est-ce que vous nous voulez? J'espérais que vous pourriez me sortir de cet endroit. J'ai accès à tous les équipements du satellite dans cette base. Je peux vous guider à votre hélicoptère. Mademoiselle, on aimerait vous aider, mais nous ne sommes pas équipés pour atterrir sur une base ennemie. D'accord. Sortez-nous d'ici, en un seul morceau, et vous pourrez dîner ce soir aux États-Unis. Waouh. Faut être gonflé pour faire confiance à une poule sortie de nulle part pour monter un sauvetage. Qui a dit que nous allons la sauver? Nous la laissons nous emmener à l'hélico, et on fait sauter ce bordel. Mademoiselle Xian, si vous nous faisiez un rapport sur la situation. Eh bien, vous n'êtes qu'à quelques centaines de mètres les uns des autres. Et aussi pas très loin de l'hélicoptère. Les ruines sont entre vous et l'hélicoptère. Si vous regardez droit devant vous, vous verrez un chantier de bois. Aucun signe de l'ennemi? Je pense avoir entendu des poursuivants il y a quelque temps. Oui, derrière vous. Les buissons semblent bouger. Et je vois quelques ombres, mais je ne suis pas sûre. Bien reçu, bien joué, madame. Raider, terminé. À moi! À moi! On bouge! On dégage! Ennemi abattu! Je suis sous le feu! Ennemi abattu! Joli coup! Un instant, je vois quelque chose! Parlez-moi, les ennemis! Je peux pas voir. Attendez, ils portent quelque chose. Je ne vois rien. Probablement des armes. Je pige, merci. Tout le monde en position de défense. Ennemi abattu. Ennemi abattu. Et il me tire dessus.
Mr. Sunfogo. Ah, Johnny. Comment ça va, ma belle? Je crois que ça y est, Paladin. Ça a l'air dégagé, pour autant que je puisse voir. Je comprends, Shadow. Quelle est ta position? Pareil, dégagé de mon côté. Compris. Nous avançons vers le point de rencontre. À toutes. Hé, Shadow, vous êtes encore dans les choux? Difficilement. Allez, ils ne sont pas loin derrière. Et si nous restons là plus longtemps, ça va vraiment chauffer pour nous. On se bouge, les gars. On dégage. On se bouge, les gars. Surveillez vos arrières. Il y a davantage de soldats ennemis derrière vous. Ils vous traquent probablement depuis un bon moment. On dégage! Joli coup! Je suis sous le feu! Ennemi devant vous! Où est ton sopon? Attention, un hélicoptère s'approche. Cherche quoi, cherche quoi? Je sais pas, c'est gros et vert, mais je n'arrive à voir aucune arme. Garde un œil sur lui. Ça ressemble à un hélico de transport. Si tu vois des troupes descendre, fais-moi signe. On bouge. Bouge! On bouge. Você morrerá. Essuie un peu ennemi. Ah! Oh! On y va. Cet hélico atterrit près des ruines. Et ouais, Paladin, des hommes en sortent et ils sont tous armés. Chouette, merci. On dégage! On se bouge, les gars. À moi! Mourra! Ah, joli! À moi! Il tire dessus! Il est abattu!
Você morrerá! Joriku! On se bouge. Un moins. Ah! Ennemi abattu. Joli coup! On dégage! D'accord, il était temps. J'ai envie de tuer. Parfois, je me dis que t'y prends un peu trop de plaisir, Thor. Joli coup. S'il vous plaît, attention où vous tirez. Ces ruines sont irremplaçables. Voilà mes hommes. J'espère que vous avez pris plein de photos. Ennemi abattu. Ennemi abattu. On dégage. On dégage! On se bouge. Waouh! Ces ruines sont stupéfiantes! Et est-ce que cette tôle a de la valeur? Elles sont inestimables pour un expert. Ne me tente pas, babe, ne me tente pas. Ni de mitrailleuse droit devant et bien en vie. Comme je l'ai dit, pas de chance. Attention, vous marchez. Ok, restez là. Vous voyez cette partie du mur? Elle a l'air mince. Je parie qu'on peut y faire un trou et se faufiler, juste là. On se bouge, les gars. On se bouge, les gars.
Surveillez vos arrières. Je vois des soldats ennemis qui s'approchent par l'arrière. Donne-moi un décompte. Des tas. On bouge. Allez, faut les repousser. Ces bifins qui nous traquent pourraient nous tomber dessus à tout moment. Si on prend ce nid, on pourra les avoir facilement. Ah, j'arrive ! Un moins ! Commandant, vous entendez ça ? Un autre hélico arrive. T'as raison. Ces salopards ont appelé du renfort. On bouge. On bouge. Munitions trouvées. On se bouge, les gars. On bouge. En avant, les gars! Bouge! Gah! Tire bien dessus! Oh! Un de moins! Abattu. Une munition. Ah. En avant, les gars. Abattu. À toi. Ah, joli. On bouge. On se bouge, les gars. On bouge. On se bouge. Ennemi abattu. Joli coup. On se bouge. On se bouge, les gars.
Allez-vous, amigos! On va faire fuir des burritos! Ouais! Vous faites mieux de courir, bande de gros salopards! Toutes les troupes restantes se replient! Hey, on dirait qu'ils ont peur de toi, Thor! Bien! Ennemi devant vous! Ennemi abattu! On se bouge! On se bouge, les gars. Ennemi abattu. Ennemi abattu. On dégage. Essuie un peu l'ennemi! Aide-moi! On me tire dessus! Joli. Ennemi abattu! C'est mon radar! Aide-moi! Je suis sous le feu! Ah! En avant, les gars! On bouge! On se bouge, les gars! Et il me tire dessus! Ah! Ennemi abattu. Ennemi abattu. Je suis sous le feu. On dégage. Il n'y a plus personne debout. Vous m'avez l'air de tuer des gens aussi vite que si vous détruisiez des objets sans valeur. On a de plus gros problèmes, monsieur. Ils ont transformé les pompes à carburant en gruyère. Il y a 13 impacts de balles dans le dispositif. Dis-moi que tu peux rafistoler ça, Whitman. Laisse tomber, Shadow. Cet oiseau ne s'envolera plus. Zombie, t'as des nouvelles fraîches des pilotes? Il y a des traces de lutte, monsieur, mais je ne trouve pas de sang. Ils ont probablement capturé les nôtres et les détiennent quelque part. Notre hélico ne marche plus. Les pilotes ont disparu et il nous reste à peine assez de provisions pour survivre encore un jour dans cet enfer. Il y a une sortie. On doit juste la trouver. En effet. D'abord, il nous faut des provisions. Xian, tu m'entends? Je suis là. Vous savez comment me faire sortir d'ici? On travaille là-dessus. Mais nous avons perdu l'hélico, et ça va prendre du temps. Et même si on te sort d'ici, ça ne va pas aller aussi vite sans l'hélico. Il y a des hélicoptères sur cette base. Vous n'avez qu'à en piquer un. Je suppose que c'est le plan. Ok! Tu veux nous attirer dans tes bras?